Salut à tous, c'est Zeyler, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo comme promis avec les camouflages qui viennent juste de sortir à l'instant, donc j'en profite pour faire la vidéo dans la foulée. Je vais sans doute vous faire un live juste après, donc soyez prêts. Je vais uploader cette vidéo, enfin je vais rendre cette vidéo et l'uploader le plus vite possible. Et une fois que ça sera fait, bah, je partirai en live vers 20h30, 21h, au pire des cas, donc soyez là si vous kiffez mes lives. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous montrer les nouveaux camouflages qui sont sortis. Donc les nouveaux camouflages qui ont été choisis parmi les 4, ça a été Dragon et Cyborg. Donc Cyborg que j'avais dit que ça allait passer, enfin pour moi c'était un des plus beaux. Et Dragon, on m'a dit qu'il était joli, mais je préférais pas Aladdin. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça, je ne les ai pas encore vus moi-même, donc je vais pas pouvoir, enfin je peux pas vous dire exactement à quoi il ressemble dès le début. Je vais vous montrer ça sur quelle arme. Alors. Je vais pas prendre ce groupe, désolé. Un peu là. Alors, on va faire ça sur ça. Bon, on va faire classe. Avec le bouclier déjà. Donc, Cyborg et Dragon, ils sont là. Je vais montrer un peu le P23R parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent au P23R. Je vais mettre quoi? Je vais mettre la MSMC, bien sûr. MSMC, la Scorpion. Je vais prendre les armes les plus connues. Je vais vous montrer à quoi le nouveau camouflage ressemble sur ces armes. Et puis après, c'est à vous de faire votre choix. Donc ça coûte 160 Microsoft points pour avoir le camouflage, un nouveau titre ainsi que les trois viseurs. Donc les viseurs. Je sais pas si ça vous intéresse de voir les viseurs. Je crois que je vais les mettre quand même au cas où. On ne sait jamais. On va prendre M8. Donc avec viseur. Donc le viseur, voilà, c'est électro. Je vais mettre le bon camouflage, je me perds avec tout ça. C'est la crise. Et je vais prendre... merde. La haine. Avec... voilà, ACOG. Le viseur ACOG, c'est interface. Je vais prendre une autre arme. Ça va être... Je vais... Ouais. Je galère un peu. bah la fale hein. On peut jouer. Ah ouais, c'est quoi le dernier viseur? Je crois que c'est celui-là. Holographe. J'ai oublié de mettre le truc cyborg dessus comme un triseau. Et je vais mettre le couteau aussi en cyborg. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Je vais prendre un snipe. Je vais montrer le balista et le DSR aussi. Soyons fous. Je vais faire ça avec d'abord le camouflage, donc Cyborg, si vous avez bien compris. Après, je vais faire l'autre camouflage et c'est très très simple. Oli voilou, on va faire tout ça sur une map. Tiens, sur une nouvelle map. Je sais pas si vous avez beaucoup la chance de voir les nouvelles maps, donc on va garder Magma pour le camouflage dragon. J'ai envie qu'il y a du Wayne. On va mettre Vertigo, tiens. Ça fait un peu en Cyborg en plus. J'aime bien, elle existe. Donc comme je vous dis, les camouflages ils viennent de sortir il y a quoi? Il y a 5 minutes. Je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui comptent les acheter. Laissez-moi un commentaire avec, si vous comptez acheter peut-être Cyborg, Dragon, les deux. On va voir. Ça m'intéresse en tout cas de savoir. Donc ça c'est le Cyborg. J'ai pris le bouclier parce qu'à chaque fois les camouflages, tu vois bien comment ils rendent. Sur le bouclier, je trouve ça marrant. Ça a l'air stylé. Ouais, c'est stylé, hein. Des barres. Bref, ça c'est le B23R. Cyborg. Ça ressemble en fait un peu au digital, donc le camouflage que vous avez en achetant l'édition collector du jeu. Sauf qu'il y a plus de traits orange. C'est triseau à dire ça, désolé, hein. Je suis le roi des triseaux. Bref. Je vais essayer de faire ça vite quand même pour que la vidéo dure pas trop longtemps et que vous puissiez regarder ça vite fait pour faire votre choix. Donc ça c'est la MSMC. J'ai pas d'atout dessus, hein, donc c'est pour ça. Enfin j'ai pas d'accessoire dessus, c'est pour ça que je vise à 2 à l'heure. C'est pas mal, hein, moi j'aime bien ce camouflage. Je trouve qu'il est vivant, classe et tout. Enfin, sur tous les Call of Duty, on a toujours voulu avoir un camouflage comme ça, un peu dans ce genre-là. J'aime bien, like this. Et là, Scorpion, voilà, Scorpion. J'essaie de vous faire visiter la map aussi en même temps, ça sera toujours cool.
J'avais fait une vidéo sur cette map pour la présenter quand elle était sortie, je m'en souviens. Ça, cet endroit, ça rappelait un peu le truc de la scène dans Star Wars. Où il tombe de la cité des nuées. Je me souviens pas du tout comment je me suis rappelé de ce nom, mais c'est le cas. Oh merde, j'ai oublié de changer de classe, voilà, c'est fait. En plein saut. What a beast. Donc ça, c'est la mythe. Il y a beaucoup de personnes qui veulent voir la mythe. Et avec le nouveau... un des nouveaux viseurs qui inclut, je sais pas du tout si vous en battez les couilles, des viseurs, c'était ultra vulgaire de ma part. Je tenais à m'excuser pour toutes les couilles qui me regardent. C'était vachement offensant. Désolé, bref, c'est un des nouveaux viseurs. Et après, c'est là... Bon, je sais, c'est un viseur à cog. Il y a sans doute peu de personnes qui jouent à cog. À part moi, évidemment, dans mes lives. Oh, c'est un viseur qui sert à écrire des hiéroglyphes. Voilà, c'est un smiley. Ouais, un hiéroglyphe, ouais. Bref, vous voyez à quoi ça ressemble. Il reste quoi? Il reste la Fal. Bon, même si elle a été bannie en Deserto et à MLG, il y a peut-être certains warriors qui jouent quand même à la Fal. C'était aussi pour vous montrer le dernier viseur, le EOTech, je crois que ça s'appelle comme ça. Stylé. Ah oui, le couteau. Oh, le couteau, il rend bien. Ça, c'est le couteau, donc, avec le camouflage tout cyborg. Je me perds un peu dans tout ça. Il rend bien, je trouve. Enfin, les snipers, pour les plus snipers d'entre vous. Il y en a sans doute qui joue au snipe. Hein. Moi-même, je commence à m'y mettre. Oh là là, quelle maîtrise! C'est affolant. Et le DSR. Ça rend bien aussi sur les snipes. Hein. C'est stylé. Moi, je suis plutôt content en choix, même si je préférais que ça soit paladin. J'ai pas encore testé dragon, on va voir tout de suite. Peut-être que je me suis trompé. Et dragon, ça rend super bien, mais. Au premier œil, je pensais que paladin allait passer, quoi. Voilà, voilà. Bon, c'est fini pour le premier camouflage. Je vais vous montrer aussi la carte de visite. Peut-être qu'il y a des gens qui vont craquer juste pour la carte de visite, on sait jamais. Hein. Genre Terminator, etc. Putain, cette vidéo dure longtemps, merde! Je pensais que ça allait durer moins de temps que ça. Non, il suffit juste de changer tout ça et de mettre dragon à la place. Allez, merde. Ah ouais, faut que je change aussi les réticules. Donc, pour le laser, il s'appelle griffe. Pour la coque, il s'appelle étoilé. Pour le EOTech, je crois que ça s'appelle comme ça. Cercle du dragon, et ouais. Faut que je vous montre aussi sur le couteau. Sur le couteau, je pense que ça peut rendre bien. Là. On va faire tout ça sur la map magma. Et ouais, je suis un mec à thème. Quand on dit soit ASM, c'est soit ASM, hein. c'est pas autre chose. Je suis vachement en strict là-dessus. Bref, le bouclier. Ça me fait taper des barres à chaque fois de mettre mes camouflages sur le bouclier. Je sais pas pourquoi, ça doit être un délire chelou encore. Hein. Ah, je suis désolé. Je crois que ça peut être marrant. Des jolies écailles, on dirait des... Ah, c'est moi, il bouge. Ouais, ça bouge, hein, ça. Oh, putain. C'est stylé, enfin. Oh, quand je mets mon gun comme ça, on dirait qu'il fait partie du truc. Non, c'est juste mes yeux qui sont pourris. Ok, donc, le B23R, avec le nouveau camouflage. Bon, en fait, il y a des petites flammes qui bougent dessus. Je sais pas si vous voyez. Peut-être que ça m'immunise contre le magma, aussi. Allez! Non, ok, c'est un fail. Non, ok, bon. Ok, on va tester avec les autres armes. J'aurais pu changer de classe avant, mais comme un triso, j'ai pas pensé. Si on pouvait surfer sur le magma avec mon bouclier, ça m'arrangerait. Voilà. Alors la MSMC, ah, ça rend plutôt bien dessus. Hein. Par contre, vous avez pas les petites flammes. Enfin, je crois pas. Ah, si, un peu sur le côté. C'est marrant quand même. A chaque fois, je m'émerveille quand ils sortent un nouveau truc Call of Duty. Je dois être vraiment un putain de fanboy. Je vous jure, à chaque nouvelle carte, je suis content. Je crois que je suis l'un des seuls mecs à être comme ça. Bref. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix si jamais vous hésitiez encore. La scorpion maintenant.
Je montre juste vite fait à quoi ça ressemble après. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos avec les nouveaux camouflages et puis même des lives, vous allez suivre. Peut-être ce soir sur le live, si vous me demandez de mettre les nouveaux camos, je les mettrai. Tintin. Là. Allez, on saute! C'est encore un fail. Merde! J'espère que ma mère regarde pas cette vidéo. Alors, la M8. Avec le petit viseur flamme. Très pratique pour viser d'ailleurs. C'est que déjà je louche, alors en plus avec un viseur comme ça. Je tire dans le volcan, tu sais. En tout cas, ouais, j'aime bien. Je sais pas ce qu'aurait rendu Paladin. Finalement, je sais même pas si Paladin et Comics, voilà, ils vont les délaisser ou peut-être ça sortira plus tard, on sait pas. Hein. Qui sait? Alors, ça, c'est avec la COG. Sur la N94, le petit viseur dragon. Allez! La Fal. Tape des barres. Avec le couteau aussi. Le couteau, il est stylé, hein. Vous voyez la petite. Enfin, à côté de votre poignet. Non, ça s'appelle pas comme ça. Bref. Je vais m'arrêter là tout de suite. Je sentais que ça allait être un fake cette phrase. Enfin, les snipers. Pour les plus snipers d'entre vous. Hein. Comme je dis, il y a peut-être des snipers qui regardent mes vidéos. Hein. Qui sait? Si je suis une queue au snipe quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Joli balle. Et enfin, le DSR. On dirait que j'ai vomi dessus par contre lui, hein. Désolé. Désolé le DSR. Bon, sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère. Ah bah non, je vais vous montrer les titres. Oh putain, cette vidéo, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. J'ai dit que j'allais vous montrer les titres, en plus j'ai oublié. Hein. Ah, je devrais me mettre deux baffes à moi-même. Dire t'es triso Julien quand même, hein, c'est chaud. Bref, les titres, on va les voir maintenant. Carte de visite, ça va être dans le DLC. Donc ça c'est le cyber. Oh, c'est des titres animés. Stylé. LOL. Donc ça c'est le cyborg. Et ça c'est le dragon avec un œil de dragon. On dirait un peu l'œil dans le Seigneur des Anneaux. Ça vient juste de me faire penser à ça. Enfin bref. Ça n'a aucun sens. Sur ce, j'espère que vous aurez fait ce choix grâce à ma vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et pensez à laisser un commentaire avec justement votre choix si vous avez décidé de prendre un camouflage, voire les deux. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien aidé. Je vous laisse sur ce. Peace. C'était Zayler. Bisous à tous.